Alors, je dois te poser quelques questions, d'accord? Tu peux me dire ce qui s'est passé ce soir? Je voulais lui montrer ma coupe de cheveux. Elle avait un fusil. Elle... Prends ton temps. Elle est devenue folle. Tout va bien. Mais non, pas du tout. Ça va pas du tout. Ma mère a essayé de me tuer, alors... Je l'ai poignardée. J'ai tué ma mère. Trouve les clés de notre maison. Ensuite, je prends la voiture jusqu'à Fireweed et je ne panique pas. Allez, tout va bien. Ça, il faut que je l'emporte à Juno. Ça, il faut que je l'emporte à Juno. Il faudrait vraiment que je jette tout ça. Après tout, c'est dispo en streaming. Mais je me sens bien rien qu'en voyant la boîte. Tiroir de bureau, peut-être? Ah, est-ce que ça va lui plaire? Ou est-ce que ça fait trop?
C'est bon. Enfin, je crois. Il me reste plus qu'à trouver les clés de la maison. Je devrais consulter mes mails une dernière fois avant de partir. Non, je l'ai déjà fait 3 fois ce matin. Michael et Tyler vont super bien s'entendre. Ça va être tellement dingue de le revoir après toutes ces années. Non, dans mon tiroir de bureau, peut-être ? C'est pas vrai. Mais pourquoi je garde ça? À chaque fois que je la vois, ça me rappelle à quel point je suis célibataire. J'en ai pas fait depuis le lycée. Je dois être complètement rouillée. Je pourrais passer la journée à l'admirer. Bon, c'est pas la plus belle de mes créations, mais elle a un tout petit air de moi au saut du lit. C'est pas le meilleur moment pour voir des étoiles. Je l'aurais rangé là. J'ai vraiment pas le temps de fouiller tout ça, là. Ah oui, je l'avais rangé là. Alors c'est là que tu te cachais. Bon, je crois que je peux y aller. Plus qu'une saison. Comment je vais m'occuper quand ce sera terminé ? M'impliquer dans la vie de vraies personnes. Oh, j'ai trop hâte d'obliger Tyler à le regarder avec moi. Il va carrément détester. Un jour, je visiterai tous les pays. Peut-être que je commencerai quand la maison sera vendue. Il faut que j'organise le voyage pour voir les Géminides. Je me demande si Tyler voudra venir. Hé, ça te dirait qu'on se les gèle en regardant des cailloux en feu tomber du ciel? Ouais, faut peut-être que je retravaille mon discours.
trop bizarre. Ça fait bizarre de se dire que je vivrai plus jamais ici. Ok, je crois que c'est bon. J'ai plus qu'à prendre mon gobelin et j'y vais. Denali, il faut que je prépare ma candidature pour l'été prochain. Ça reste ici. Apprends aux jeunes les classiques du cinéma. Au revoir, Herbert. Alors, petit gars, tu vas bientôt pouvoir retrouver ta sœur. Bien. Je suis prêt à partir maintenant. Les gobelins malins sont deux petits voleurs malicieux qui vivent sous la maison de la princesse. Ils adorent jouer des tours. Mais ils ont bon cœur. Elle va me manquer cette vue. Je les connais presque par cœur maintenant. J'aurais aimé le finir avant de partir, mais qu'est-ce que c'était chiant.
Waouh, il va aller loin. Je pourrais dire que je l'ai aidé à trouver sa voie. Peut-être que je pourrais... Non, c'est plus mon problème maintenant. Ça m'embête de devoir laisser ça, mais notre vieille maison risque de s'écrouler si j'écoute ça à fond. Ah, la bande-son de mon adolescence. Je le laisse pour le prochain rebelle. Il en aura plus besoin que moi. Je l'écoute en boucle en ce moment. Ces idiots vont me manquer. Salut, Tyler. Salut. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu et tu me dis juste « Salut, Tyler ». Ah, pardon, j'ai... Je plaisante, Allison. C'est très bien pour un début, salut. Je suis tellement contente. Oui, moi aussi. Et t'as pas d'autres affaires à prendre ? Non, c'est tout. 10 ans de ma vie dans un seul sac. Bon, on peut y aller alors. On a juste le temps de choper le ferry du matin. Il te va bien ce manteau? Merci. C'est un de mes filleuls qui l'a dessiné. Il est magnifique. Ouais, je trouve aussi. Il est vraiment trop fort. J'ai trouvé plusieurs coffee shops pour qu'il expose ses créations. Tyler Ronan, promoteur des leaders de demain. Ouais, on est foutus. Alors, tu crois qu'il y a des trucs qui vont te manquer ici? Honnêtement, les gens, les pensionnaires, mes filleuls et Aaron, mon thérapeute. J'ai mis du temps à m'adapter, mais une fois que c'était fait, je me suis senti chez moi. J'étais bien avec eux. Assez bien pour être moi. C'est génial. Trop contente pour toi. Elle va tenir jusqu'à Delos Crossing ou faudra pousser ? Si tu préfères marcher, vas-y. Non, c'est bon, je tente le coup. Un regard d'adieu, peut-être. C'est fait. On y va ? Je te jure, j'ai pas assez d'imagination pour inventer un truc pareil. Oh, et la semaine dernière, le ferry a dû faire demi-tour parce qu'il y avait un ours à bord. Mais non. Quelqu'un a entendu du bruit à l'arrière d'un camion de livraison, alors ils l'ont ouvert. Et là, ils ont découvert l'ours.
bien installée sur un gros tas de paquets de chips vides. L'appât de la nourriture. Oh, je le comprends tellement, cet ours. Ok, et après ? Je sais pas trop. Je crois qu'ils arrivaient pas à le faire partir, alors ils l'ont endormi. Oh, le pauvre. Il s'est fait tirer dessus à cause d'un petit creux. Ouais, enfin, tu connais la règle. Face aux ours, sécurité d'abord. Ouais, mais la prévention, c'est mieux. Un peu de bon sens, ça ferait du bien pour éviter d'avoir à leur tirer dessus. L'ours va bien, Tyler. Pour l'instant. T'as vu que le gouvernement envisage d'assouplir encore les lois sur la chasse aux trophées ? Des quotas plus élevés, des pièges barbares. Et même la chasse en période d'hibernation. Quel genre de taré prend son pied à buter un animal qui dort ? Je suis pas contre la chasse, d'accord ? Mais les prédateurs sont un élément essentiel dans l'équilibre de nos parcs naturels. Quoi ? Arrête, pourquoi est-ce que tu souris ? Je suis vraiment sérieux, là. Oh, je vois ça, monsieur le forestier. Pas encore. Mais au moins, j'en ai fini avec les études. Oh, j'en reviens pas que t'aies déjà ta licence. Moi, j'ai un demi-diplôme de comptable que j'ai suivi via une école en ligne qui m'a sûrement volé mon numéro de carte bancaire. Tu trouveras ce que tu veux faire. T'as le temps. Comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui s'apprête à conduire dans le brouillard, mais avec des phares cassés. Tu t'en souviens, toi ? Allison ? Pardon. J'ai décroché une seconde. Désolée. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, c'est juste que j'ai encore un peu de mal à réaliser que t'es bien là, à côté de moi, et qu'on va à Delos. T'as pas besoin de t'excuser. C'est pas évident, c'est clair. J'imagine que rien n'a vraiment changé. À Delos, tu veux dire ? Ouais, c'est toujours le trou du cul du monde. Vivement que je me casse d'ici. Ah ouais, c'était à ce point-là ? Plus ou moins. Mais ça aurait aussi pu être pire. Je comprends. T'aurais pu vivre dans un centre pour ados à problème, par exemple. Je vois. Au moins, t'avais Michael. Ouais. Je crois pas que j'aurais survécu au lycée sans lui. Il va te manquer quand tu partiras vivre à Juno. Comment il va ? Il va bien. Très bien. On s'est pas beaucoup vu en dehors du travail dernièrement. Il était occupé avec la danse et il organisait un potlatch avec son clan. C'est de la fumée qui sort de la cheminée de Stonehouse ? Quelqu'un a fini par l'acheter, cette vieille baraque. Ou alors, c'est les fantômes qui se réchauffent près du feu. Tu crois que les nouveaux proprios sont au courant qu'elle est hantée ? Je suis sûre que Tina a fait en sorte qu'ils la prennent pas. Enfin, pas avant d'avoir conclu l'achat. Ah, cette baraque m'a toujours foutu les jetons. Ces fenêtres, on dirait des yeux au regard vide. Tu crois que les gens disent la même chose sur notre maison ? Sans doute. Alors, on va vraiment y retourner, hein. À Stonehouse ? Je veux dire, on rentre chez nous ? Ouais, on y retourne. Tu crois que la maison va se vendre ? Y a personne d'intéressé pour l'instant. Les gens se bousculent pas pour acheter une scène de crime sans électricité. En tout cas, y a une sacrée vue. Pas comme à Juno, hein ? Eh, y a des belles vues sur les montagnes à Juno. Et plein de gens, des trucs à faire. Ça te dit toujours qu'on se mette en coloc ? J'ai pas oublié, t'inquiète. Eh ? Je peux te poser une question ? Vas-y. On m'a dit... à la fin de... de ta formation, quand t'es devenu mentor il y a 3 ans, t'as passé tout ton temps à Fireweed, c'est ça ? Pratiquement. 2 ou 3 fois, j'ai voulu aller à Juno pour participer à une réunion de personnes trans, mais j'avais toujours un truc à faire. Bon, j'aurais dû me bouger plus que ça, c'est sûr. Mais c'était mieux que je reste sur place au cas où les résidents avaient besoin de moi. Donc tu pouvais sortir quand tu voulais, en fait ? Oui. Pourquoi ? Oh, pour rien, c'est juste que je suis un petit peu trop curieuse. Je me demandais à quoi tu passais ton temps.
Allison? Ouais? Crache le morceau. Ok, promets-moi de pas péter un câble. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un cadeau. Daddy. Je sais que tu l'apprécies pas, mais... Je suis désolé. Quand t'as dit Eddie, j'ai pensé au chef Brown. Tu te souviens? L'officier de police qui m'a arrêté. Écoute, Ty, sois pas... Qui est aussi ton père adoptif. Le mec qui t'a empêché de me rendre visite pendant 7 ans. Les responsables de Fireweed étaient d'accord avec lui, Tyler. Ils pensaient que c'était mieux. Pour nous deux. Ouais. Ben, ils avaient tort. C'est pour faire la paix. Et vous êtes les deux personnes les plus importantes pour moi. Accepte. Pour moi. Y'a pas moyen. Il pourra pas acheter mon pardon juste avec une babiole de merde. C'est un cadeau, Tyler. Tu sais ce que ça représente dans la culture Klinkit? Et ce que ça signifie de refuser? Ok. Je la prends, mais je la porterai pas. Vraiment? Vraiment. Que ce soit bien clair. J'accepte pour toi. Pas pour le chef Brown. Tu sais, tu peux l'appeler Eddie. Ou même... Oncle Eddie. Ça, jamais. T'as entendu ça? Oui. Ça casserait l'ambiance si je disais que je dois appeler chez moi. Ouais. Carrément. Pardon. Vas-y, appelle. Et arrête de t'excuser tout le temps, ok? Ok, pardon. Oh, merci. Ça me fait bizarre de reprendre ce bateau. Impressionnant, hein? C'est avec ça que vous chassez l'orignal? Eh ouais, j'ai obtenu l'autorisation de chasser du gros gibier. Et vous avez votre licence sur vous? Oui, monsieur l'agent. Je suis réglo, moi. Tu chasses? Je pêche, surtout. C'est bien aussi. Enfin bon. Il y a plein de bons endroits pour taquiner le poisson par ici. Enfin, si on sait ce qu'on cherche. Tu vas dans quel coin? Delos Crossing. Moi aussi. T'es du pays, alors? Je suis né ici. Ah, sans blague. Je me suis installé à Anchorage à ton âge. À l'époque, il y avait surtout des Amérindiens à Delos. Les Tlingit, les Haida. Ça faisait 5 ans que j'étais pas revenu. Ah, votre famille va être contente de vous voir. Ah, c'est sûr. T'en as peut-être pas encore conscience. Mais les parents, ça vieillit bien vite. Ouais. Je m'appelle Alex, au fait. Alex Gershwin. Rien à voir. Hein? Avec George Gershwin. Gershwin, le pianiste. On me demande tout le temps si c'est un parent à moi. Alors maintenant, j'essaie de prendre les devants. Oh. C'est quoi ton nom déjà? Je vous l'ai pas dit. Tyler.
Tyler Ronan. Je... Ronan, hein? Ronan, comme les filles Ronan. Donc, tu es... Je savais pas qu'elles avaient un frère. On n'en a pas. Ah. Je... Merci pour la conversation. Ouais. Bon séjour en ville, Tyler. On se croisera en ville. Sympa. Hé, hey Allison, on peut prendre la route panoramique plutôt que l'autoroute ? Allison ? Je doute qu'elle t'entende. Eh ben non. Un jour, bientôt j'espère. Le bal de Noël de Gastineau. La classe. Hey, c'était pas le lycée d'Allison? Voilà. On y va? C'est parti. Et hop, en voiture, Ronan. Oh.
C'est presque exactement comme dans mes souvenirs. Mais... en délavé. Comme un polaroïd resté longtemps au soleil. De l'extérieur, c'est presque charmant. C'est pas le problème, le charme. Mais l'état du bâtiment peut être bien. Tu crois que c'est possible que les acheteurs décident de... genre, tout démolir ? Si quelqu'un l'achète, il en fera absolument ce qu'il veut. Et ça te ferait rien ? Pas toi ? Bien sûr. Partout où je regarde, je nous revois dans une de nos aventures. Partout où je regarde, c'est elle que je vois. Allison, on pourrait peut-être aller manger. Et puis on s'y met demain. Non. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de le faire. Après toi. Marianne leur donnait tout le temps à manger. Elle préférait les animaux aux gens, c'est sûr. Et je peux la comprendre. Hey, tu te rappelles de ça ? Bon, Tyler, tu fais quoi ? Ça caille dehors. C'est vrai, désolé. Allez, on rentre. Je te rappelle comment elle s'énervait quand on n'utilisait pas le compost. Et elle savait toujours quand on mentait. Pas de gaspillage, ou alors, adieu la planète. C'est incroyable qu'elles soient encore là. Ouais, on devrait les cacher, ou elles pourraient effrayer les acheteurs potentiels. Au moins, le cabanon est toujours là. Ouais. Je veux pas penser à ce qui pourrait bien vivre là-dedans. Ben, vaut mieux que ce soit vivant. Ah, c'est pareil. On verra ça plus tard. On a plein de choses à faire avant. Comment elle pouvait prendre la route avec ce vieux truc ? Elle préférait se casser la jambe plutôt qu'acheter un vélo tout neuf. Ouais. Et dire qu'elle nous avait promis des vélos. Oncle Eddie m'en a offert un, mais je m'en suis à peine servi. Ouais, c'est fermé. Qu'est-ce qu'elle faisait ici, cette nuit-là ? Allez, Tyler, arrête de penser à ça. Elle aimait pas du tout qu'on utilise ses outils. Elle avait sans doute peur qu'on se fasse mal. Ou alors, elle craignait qu'on pète un plomb et qu'on détruise ces plantes qu'elle adorait. C'est ce qu'on aurait fait, donc bon. Bon. Les outils sont toujours là. On a ce qu'il nous faut pour réparer. Et ils sont de bonne qualité. Pour ça, Maria n'achetait pas de Camelot. Les produits nettoyants maison sont peut-être meilleurs pour la planète, mais ils vieillissent pas aussi bien que les autres. Ah, ajoute ça à la liste de courses.
suis sûr qu'on a laissé plein de trucs cool là-dedans. Oh, on dirait qu'un voisin est passé. C'est marrant. Je me souviens pas qu'on en voyait quand on était petit. Sûrement parce que notre mère les faisait flipper. Ouais, elle aussi, elle faisait peur à tout le monde. Tu veux vraiment aller là-bas ? Non, t'as raison. Vous avez déjà besoin d'une pause, Ronan ? Non, j'essaie le banc. J'admire la vue. Sérieusement, tu te sens comment ? Fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Ouais, quand je pense qu'on pouvait courir pendant des heures sans s'arrêter quand on était petit. Ouais. Il y avait toujours un troll à fuir. Ou un trésor à découvrir. C'est sûr qu'on manquait vraiment pas d'imagination. Marianne non plus. C'était vraiment le seul truc qui nous rassemblait. Même à la fin. Elle nous avait pas raconté une nouvelle histoire, ce soir-là. C'était... bizarre. Elle l'a construit, ce banc, non ? Si t'essaies de me faire peur pour piquer mon siège, tu rêves. Non, c'est juste que... je me suis rappelé qu'on s'était assis ici. D'ailleurs, je m'étais endormi et j'ai eu mal au dos après. On restait jamais assis quelque part plus de quelques secondes. Ça m'épuise rien que d'y repenser. C'est qu'on est devenu vieux ? En tout cas, il nous reste quelques années avant d'être. Aussi vieux qu'elle ? Allez, on s'est assez reposé. Allons voir à l'intérieur. Ok. Arrête, c'est pas la saison pour traverser le lac. Il a l'air gelé comme ça, mais il y a encore des zones fragiles. Hé, hey, c'est le danger qui est excitant. Je préfère pas risquer ma vie dès le premier jour. Je me demande s'il reste des poissons dans ce lac. C'est là qu'Oncle Eddie nous a appris à pêcher. Tu pêches encore ? Non. Et toi ? Tous les dimanches matins. Quand j'ai pu quitter Fireweed, bien sûr. Tout seul ? Tout à fait. Au début, ça me rendait dingue. Et puis, j'ai fini par aimer ça. Ça me détendait. Sérieux ? Ben ouais, tu vois. Le lac, l'eau, le ciel. Et moi, un petit truc insignifiant au milieu. Un petit truc avec un joint au bec ? Évidemment. Pas de castor. Dommage. Une photo de castor aurait plu aux acheteurs. Ouais. Les gens de la ville aiment bien les petits animaux mignons. Unissez-vous à la vie sauvage, mais pas à celle qui ronge l'isolation. Pleine de souvenirs complètement psychotiques. Fantôme inclus, et vous deviendrez l'enquêteur paranormal que vous avez toujours rêvé d'être. Ouais. Ouais. On devrait en faire notre métier. Ouais. Ouais, carrément. Eh oh ! Les castors ! Où êtes-vous ?
J'arrive pas à croire que je t'ai convaincu de grimper dans cet arbre pourri avec moi. Ouais, bah c'est pas prêt de se reproduire. Oh, arrête. C'est moi qui suis tombé. Et j'ai dû marcher jusqu'à Delos Crossing pour prévenir Tessa et qu'elle t'emmène à l'hôpital. C'était rien du tout. Juste un traumatisme crânien. Bah, est-ce que tu peux dire que t'as vraiment vécu si t'as jamais eu de traumatisme crânien ? T'es pas tout à fait guéri, apparemment. Au moins, on en a pas besoin pour l'instant. Heureusement. Tu te souviens du blizzard en 2004 ? Marianne nous a fait pelleter pendant des heures. Elle avait même fini par en faire un jeu. Mais oui, on avait creusé des tunnels pour échapper aux trolls des neiges. Faut bien avouer, elle arrivait à nous faire faire ce qu'elle voulait dès qu'elle transformait ça en histoire de gobelins. C'est pas super écolo comme source d'énergie, ça. C'est pas comme si elle pouvait s'offrir des panneaux solaires. C'est verrouillé. Eh ben, heureusement que je m'en suis souvenu. T'es sûr que c'est la bonne clé ? Oui. Peut-être que quelqu'un a changé la serrure. Ouais, mais qui aurait pu y toucher ? Je sais pas. C'est chiant. T'as pas un plan B ? Ouais, on va trouver un autre moyen d'entrer. Jamais une porte verrouillée n'a déstabilisé les gobelins malins. Ouais, on en connaît des dizaines d'accès à cette baraque. Il y en a forcément un qui marchera. Je pourrais casser une fenêtre ? Tu sais que les gens civilisés font pas ça, hein ? Ah, parce qu'on est civilisés, nous ? Bon, peut-être pas. Mais on est en train d'essayer de vendre cette maison. Et des fenêtres cassées, ça met pas vraiment en valeur. Les gobelins malins. Ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à eux. Ou devrais-je dire, à nous ? Ouais. On passait presque plus de temps en gobelin qu'en gamin. Oh, tu te souviens des autres personnages ? La sorcière de la lune, le roi de glace, le vieil ours ? La plupart, je crois. Mais peut-être pas dans les détails. Hey, tu sais ce qu'il est devenu, le livre avec toutes les histoires ? Non, aucune idée. Mais on finira par le trouver en rangeant la maison. Ça va pas. J'arrive pas à l'ouvrir non plus. T'en fais pas. On va trouver un autre moyen d'entrer. Bon. Une idée de comment on va entrer ? On jouait souvent sous la maison quand on était petits. C'est vrai. C'est là qu'on cachait notre trésor des gobelins. Il y avait une trappe, non ? Qui donnait sur la buanderie. C'est vrai. J'espère que je passe toujours. Je suis un peu plus grand que quand j'avais 11 ans. Sésame, ouvre-toi. Laisse-moi deviner. C'est verrouillé. Ouais. Tu connais d'autres mots de passe secrets ? Miella ? Non. T'as besoin d'un coup de main ? Non, ça va aller. Ok. Ah, si jamais on arrive à enlever cette planche, je pourrais peut-être me glisser à l'intérieur. Bon, il nous faut un truc pour faire levier. Elle est trop bien vissée.
Il nous faut un tournevis. Je crois que j'en ai vu un dans le cabanon. Allons voir. Ok. On va bien trouver quelque chose ici. Marianne nous aurait donc laissé un truc utile. Oui. Mais faut quand même qu'on trouve un moyen d'entrer. Si possible, sans casser la vitre. On verra. Attends, il se passe quoi? T'as senti ça? Et vous ne sortirez pas tant que ce sera pas absolument impeccable. Ça fait au moins la millième fois que je suis punie à cause de toi. Tu sais pas la fermer. Tu pensais la même chose que moi, mais toi t'avais la trouille de lui dire en face. Ça aurait servi à quoi? De toute façon, elle nous écoute jamais. Bah moi, je préfère lui dire honnêtement ce que je pense, plutôt que d'être une gentille petite souris. Oh, on a oublié la clé. Faut la remettre à sa place. On pourrait peut-être la cacher quelque part, tu sais, pour rigoler. Les gobelins sont censés aider la princesse, pas jouer de mauvais tours. Pff, t'es pas drôle. Je veux pas qu'elle se sente encore plus mal. Wow. Il s'est passé quoi, là? Je sais pas, mais je l'ai vu aussi. C'est la même chose que quand on partageait nos pensées, avec notre voix. C'est vrai, mais c'est un souvenir qui date d'il y a 10 ans, non? Je me souviens vaguement de la scène. Oui, je crois bien. Et ça, c'est nouveau, non? Ouais. On partageait des pensées et des sensations, mais revivre des souvenirs, c'était jamais arrivé. Mais alors pourquoi maintenant? Et pourquoi ce souvenir-là? Je sais pas. C'est assez flippant. C'est bizarre, mais notre voix, ça a toujours été cool. Peut-être que ça aussi. Je sens à nouveau quelque chose. Près de la grange. Ouais, moi aussi. Dépêche! Viens voir la grenouille silencieuse! J'arrive, j'arrive! Quoi? Arrête de bouder! Je t'ai dit que j'étais désolée. Sauf que tu mens. Ok, donc t'as pas envie de savoir ce que j'ai mis dans la salle au trésor? Quoi? Si, je veux savoir! Bon, on sait où chercher maintenant. On doit juste se rappeler qui est la grenouille silencieuse. Alors, laquelle d'entre vous cache la clé? Merde, où est la clé? Sérieux? Je déconne. Putain, t'es con. Ok, ok, désolé. Merci d'avoir gardé le secret, petit gars. Tiens, qui a laissé cette boîte? Elle a l'air neuve. C'est pas moi. Est-ce que quelqu'un serait venu ici récemment? C'est votre jour de chance, les oiseaux. Je l'ai. Tout ça pour un tournevis. T'as une meilleure idée pour entrer? Faudrait les récompenser, ces oiseaux, pour avoir surveillé la maison tout ce temps. Merci pour votre aide, petite créature. Marianne leur donnait tout le temps à manger. Elle préférait les animaux aux gens, c'est sûr. Et je peux la comprendre.
T'es sûr que tu veux entrer? C'était notre première cachette, tu t'en souviens? On sait pas ce qui vit là-dessous, maintenant. Tyler, tout va bien? Tyler? Ah, oh, c'est pas marrant! Alors pourquoi je rigole? Bon, ça va. Mais t'es quand même débile. Bon, allez. J'y vais pour de bon cette fois. Ok. On se retrouve à la porte d'entrée dans quelques minutes. T'es où, là? Ty, je suis dehors. Mais je t'entends dans ma tête. Notre voix, c'est revenu. C'est quoi ce délire? Dis, tu te rappelles pas comment on attend la trappe par hasard? Peut-être si. On va la trouver ensemble. Dragon, droit devant. C'est à gauche, je crois. T'avais raison, y a rien. J'en étais sûre. C'est moi qui aurais gagné. Même pas en rêve. Encore à gauche après les gobelins. Non, c'était sur la droite. Ah oui. Waouh, je m'attendais pas à te revoir un jour, toi. Ça faisait un bail, petit gars. C'était ça notre trésor? C'est tout pourri. Avec nous, tout devenait un trésor. On manquait vraiment pas d'imagination. Marianne voulait savoir où passaient ses assiettes. Mais un gobelin n'abandonne jamais son trésor. Rose. Fallait toujours que ce soit du rose. Notre vieux cerf-volant. On dirait que ses ailes ont méchamment morflé. Repose en paix, brave oiseau. J'ai passé le trésor, droit devant. Devant. Tu sais, j'avais fini par croire que
Notre voix, c'était juste une invention de gamin. Moi aussi. Mais on est vraiment connectés. Le chasseur fou. Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur de dire son nom ? C'est Marianne qui l'a créé. Elle a inventé tous les personnages flippants. J'arrive. Est-ce que ça va ? Je survivrai. Content d'entendre ta voix. Ouais, moi aussi. Alors ? Tu contenterais ou quoi ? Je me prépare psychologiquement. Voilà, on y est. On y est. Bon, on commence par où ? On décide quoi garder, quoi jeter, et on voit ce que la maison essaie de nous montrer d'autre. C'est surréaliste. Évidemment, pas d'électricité. Alors, voyons voir. Étagère cassée, bocal cassé, et machine à laver, cassée. Le sèche-linge, il a jamais fonctionné. Marianne disait que les sèche-linges étaient maléfiques, des bouffeurs d'énergie. Je détestais étendre le linge mouillé. Une fois, je me suis pas changé pendant des semaines pour pas avoir à le faire. Faudrait qu'on les enlève, ces masques, ils sont flippants. Ils vont faire peur aux acheteurs potentiels. Oh, alors maintenant tu veux plus faire peur aux gens avec ces masques ? Eh, je mettais ce masque et je faisais semblant d'être un guerrier. Y a bien que toi que ça faisait flipper. Je vois. Elle me laissait même pas le porter très longtemps. Cette pièce a gardé l'odeur de Marianne. Un bon décrassage et on s'en débarrassera. C'était une compétition entre nous de qui était le plus grand, tu te rappelles ? Comme si on pouvait échanger quoi que ce soit. Et en fin de compte, on fait la même taille. Ouais, tous les étirements que je faisais, ça a servi à rien.
Que penserait le petit Tyler s'il entrait dans cette pièce et me voyait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tous ces bijoux? Perso, y a pas moyen que je les porte. Dans la pile à donner, alors. J'avais essayé d'enterrer cette robe dans le jardin, mais Marianne m'a vu. Pourtant, elle était mignonne. Ouais, mais bon, tu sais bien. Mignon, c'est pas trop mon truc. Ficelle, colle, scotch. La sainte trinité du bricolage. Marianne adorait avoir des choses à réparer. Moi aussi j'adore faire ça. Les rapports de pont, les pare-boues. C'est des trucs de voiture, c'est ça? Non, c'est des trucs de hot rods. Eh ben, continue à parler voiture et tu vas vite t'intégrer ici. Après tout ce temps, je pensais être prête à affronter tout ce merdier. Elle comptait faire quoi avec tous ces bocaux? Elle troquait ses confitures maison contre des vêtements pour nous. Elle a tout essayé pour joindre les deux bouts. En fait, pas tout, non. Après tout ce temps, je pensais être prête à affronter tout ce merdier. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici? Ah, je croyais savoir à quoi m'attendre, mais... y a rien à faire, je finis toujours par être surprise. J'ai les nerfs à fleur de peau. Je comprends. Et toi alors? Tu vas bien? Franchement, je sais pas trop ce que je ressens. J'essaie de me dire que c'est juste une maison vide. Ouais. Une maison vide remplie de vrais fantômes. J'espère que c'est des gentils fantômes. Meilleure maman. Tu crois qu'on le pensait vraiment ou c'était seulement pour lui faire plaisir? De toute façon, c'était pas vrai. On n'a jamais eu le temps de la terminer, cette collection. Ça venait des distributeurs de jouets du magasin des Veki, c'est ça? Ouais. Je me souviens, on devait glisser une pièce dans la machine. Et abracadabra, on gagne un autocollant. Après tout ce temps, je pensais être prête à affronter tout ce merdier. Évidemment. Elle a dessiné des petits cœurs. Oh. Quoi? Le 7 mars. Oh.
Eh, pendant que j'y pense, je te dois bien 10 cadeaux d'anniversaire, non? Je pense qu'on peut fermer les yeux. Quoi? Tu veux pas que je t'achète de cadeaux? Tu vas avoir besoin de ton argent d'abord. On a tout le temps pour les cadeaux. Ok. Alors je veux pas de cadeaux non plus. D'accord. Les derniers mois, ils sont presque vides. Il y a juste quelques rendez-vous, la plupart annulés. Quel genre de rendez-vous? Chez le coiffeur, je crois. Ah oui, elle a fait ça pendant un temps. Après tout ce temps, je pensais être prête à affronter tout ce merdier. La chambre de Marianne. Je propose qu'on y aille quand on sera vraiment obligé. Je suis d'accord. C'est dingue, elle comptait chaque centime. Qu'est-ce que tu lis ? Une lettre qu'on avait écrite, pour s'excuser d'avoir cassé son vase à la con, tu te rappelles ? Ennuyer ses gosses pour les éduquer. Super stratégie parentale. Des livres de classe. On les avait eus par Tessa, non ? Oui, elle pensait qu'on était doués. On l'était, mais autrement. Tu penses qu'elle savait qu'on se passait les réponses? C'était pour s'amuser. On les connaissait de toute façon. C'est dingue, elle comptait chaque centime. Maman, pour mon inscription au hockey. Maman ! Pardon, quoi ? Pas maintenant. On verra l'an prochain. Mais tu m'avais promis ! Arrête de pleurnicher. Ou ce sera pas l'an prochain, mais jamais. Tu peux me couper les cheveux ? Ils sont très bien comme ça. Mais je veux les couper courts, super courts. Quoi ? Écoute, je suis fatiguée. Et je suis occupée. On en parlera plus tard. Tu dis toujours ça! Ça m'énervait tellement que Marianne dise toujours non à tout. Elle était toujours sur les nerfs les derniers mois. Ouais. Et elle était complètement hermétique à toutes les choses que j'essayais d'exprimer. Elle me disait presque toujours non à moi aussi. C'est vrai. Mais moi, je le prenais personnellement. Thank you.
me souviens pas de ces trucs. Un des chefs-d'œuvre inachevés de Marianne. Probablement. Il y en a deux. Peut-être que ça nous représente. Enfin, je veux dire, dans l'univers complètement barré de Marianne. Wow. Ça, c'est vraiment la honte. On n'était pas la famille de Vinci. Elle avait conservé tous nos dessins. J'en garderai bien deux ou trois. Elle a pris tellement de photos. Ouais. Comme si elle voulait documenter chaque seconde de nos vies. Ça la rendait heureuse. Et ça faisait vraiment plaisir de la voir sourire. J'imagine. Est-ce que ça va? Toutes ces images de bonheur. Elles paraissent si tristes maintenant. Et tellement fausses. C'est clair. Elle essayait de sauver la planète bien avant qu'Al Gore rende ça cool. Il a déjà fait un truc cool, Al Gore ? Non. Elle avait au moins raison sur une chose. Mais bon, on peut pas en vouloir aux gens de pas avoir écouté Marianne la folle. J'avais pas réalisé que l'odeur du feu de bois me manquait autant. Ça me manque quand on se mettait là les soirs d'hiver, avec un chocolat chaud. Ouais. Marianne était si fatiguée qu'elle s'endormait sur le canapé. Ah. C'est pour ça que c'était bien. Marianne n'était pas là. Pour pas la réveiller, on se servait de notre voix. Après, on restait éveillés toute la nuit devant le feu, à se raconter des histoires. Et Marianne se doutait de rien. Je suis sûr qu'il est encore là. Je vais aller voir là-haut dans la chambre. Hey, qu'est-ce que tu fais encore en bas? À ton avis, Sherlock, j'essaie de voir ce qu'on pourrait garder dans tout le bordel de Marianne. Et tu progresses? Pas vraiment. Toi, ça avance? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Bah, comme toujours, je tente de conquérir le monde. Sacrée responsabilité. Je suis pas sûre que t'y arrives, Ronan. Merci pour ta confiance. Bon, je pense qu'il est temps qu'on passe à notre chambre. Je monte dans une minute. D'où tu sors, toi? Alors là, je me sens chez moi.
Miller, tu me reçois? Si on se dépêche pas, tout va se mettre à fondre. Tu me reçois? Oui, je te reçois. Il faut déplacer ce truc rapidement. Je veux pas que le chasseur fou nous attrape. Terminé. Le chasseur fou. Oui, il me fout encore les jetons. Si seulement je pouvais l'oublier. Mais comment t'as pu me convaincre de te laisser mettre ça? C'était mon film préféré, à l'époque. Adieu mes rêves de devenir une star du hockey. Marianne disait que le sport c'était trop agressif, que des requins avec une mentalité de meute. Tu vois, s'il y a une chose qu'on peut pas enlever à Marianne, c'est qu'on a toujours pu exprimer notre côté artistique. T'aurais dû voir la tête d'Eddie quand j'ai voulu repeindre sa caisse. Ouais, j'imagine. Oncle Eddie a pas dû apprécier ta touche artistique. Il vaut mieux que tu l'appelles Chef Brown, si c'est pour être désagréable. Waouh, les lits sont minuscules. On était si petits. Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? Notre œuvre la plus grandiose, le livre des gobelins. Ah, t'es sérieux? Il était dans le coffre depuis tout ce temps? Toutes ces histoires. Ah, j'avais plein d'autres idées. Marianne en a écrit beaucoup. Ouais. C'est seulement dans ces moments-là qu'elle semblait... en paix. Ah, où est-ce qu'il est? Tu cherches quelque chose en particulier? Mon journal. Tu m'en as jamais parlé. Ouais. Avec le caractère de Marianne, j'ai été obligé de prendre des précautions pour le cacher. Marianne. Ouais, c'est le jour où elle l'a découvert. Quelque chose, je le fais pour ton bien. Je parie que tu l'as lu. T'avais pas le droit de me faire ça. J'ai le droit de faire ce qu'il faut pour protéger ma petite fille. Je suis pas ta fille. Je te déteste. Tu seras toujours ma petite fille. Et tu pourras lutter autant que tu veux. Je lutterai encore plus fort pour te protéger. Je sais pas comment j'ai fait pour pas comprendre. Elle me l'a dit en face. Elle était prête à me faire du mal pour m'empêcher de transitionner. Tyler, tu pouvais pas savoir qu'elle irait aussi loin. Je veux récupérer mon journal. Il n'y a que sa chambre que j'avais pas fouillée. D'accord, mais tu veux le chercher maintenant? Ce journal était important pour moi, Allison. Écrire mes pensées m'a permis de comprendre qui j'étais. Bon. Dans ce cas, cherchons-le. Que sa porte est verrouillée? Elle l'était toujours. J'ai franchement pas hâte d'y mettre les pieds. Je sais, mais il va bien falloir. Faut que je le récupère. Oh, certains de nos vieux jouets fichent vraiment les jetons. «
Dès qu'on lui demandait une télé, elle nous rapportait des dizaines de livres à la maison. Je pense que là, elle nous a rendu service. Tu changeras peut-être d'avis quand tu verras tout ce qu'on trouve sur HBO. On verra. Hey toi, j'ai trouvé ton jumeau sous la maison. Et il va pas très bien. Ah, ça c'était pas le mien. Regarde, c'est le jeu qu'on a créé, Luge et Tramway. Ce jeu n'avait aucun sens. Ça ne nous empêchait pas d'y jouer toute la journée. Eh, en même temps, on était gosses, des cailloux et des plumes auraient fait notre bonheur. Eh, la carte postale qu'on s'est envoyée de Juno. À jamais seul. Quoi ? On n'avait presque pas d'amis. On devait même s'inventer des correspondants. Le journal doit être dans la chambre de Marianne. Faut que j'aille voir. Rattraper la sorcière. Sa voix furieuse se fit entendre au-dessus de toute la forêt. Pour cette ignominie, je te condamne à demeurer éternellement dans ton lac. Quoi ? Mais non. Chut, laisse-moi finir. Jamais plus tu ne pourras en sortir. Pas même lors de la pleine lune. La sorcière de la lune fut jetée au fond du lac. Et jamais plus elle n'essaya de s'en échapper. Et puis le titre. T'en penses quoi ? C'est bien, non ? Ouais, c'est pas mal. Mais j'aurais changé la fin. Quoi ? Mais non ! Le roi de glace. Je l'avais complètement oublié. C'est parce que c'était dangereux de prononcer son nom. Il était trop puissant. Attends. Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui, malheureusement. Pour pouvoir pénétrer dans le sanctuaire de la princesse, l'énigme doit être résolue. Un bon petit coup d'épaule et on n'en parle plus. Oui, ok, on peut utiliser la force, mais ça serait marrant de trouver enfin la solution, non ? Je crois qu'on n'a pas la même définition du mot marrant. Oui, mais
Si on la casse, faudra la réparer avant la mise en vente. Alors, vaudrait mieux éviter. Tu as le livre des gobelins ? Ouais. Passe-le-moi. Pourquoi ? Tu cherches quelque chose ? L'image sur la porte, elle me rappelle une histoire du livre. Une que Marianne a inventée. T'as une bien meilleure mémoire que moi. Ben, c'est moi qui ai créé le livre des gobelins. Et tu vas me le rappeler jusqu'à ma mort. La voilà, l'histoire de la fête de la princesse. Lila, je crois que les symboles représentent quelque chose dans l'histoire. Des souvenirs fantômes, des énigmes de contes. Quelle journée chelou. Quelle enfance chelou. C'est clair.
Ah, je crois que je vais devoir l'enfoncer. T'es sûr? On n'est pas pressé, et en plus, faudra la réparer. Allez, encore une fois. Alors attends, c'est quel... Ah oui. Tu veux vraiment arrêter? Peut-être que si on y réfléchit à deux... Ouais, je veux bien réessayer. Attends, je veux dormir. Tu veux vraiment arrêter? Peut-être que si on y réfléchit à deux... Ouais, je veux bien réessayer. La torche, elle reprend. Attends, elle est mal dit, attends. Bien du mal. C'est l'orignal. Un peu comme on est fait. L'épée, franchement, c'est pas très tôt. Cette pièce. Et voilà, on y est. Après toutes ces années, je m'attendais à éprouver, tu sais, un sentiment de victoire. Parle pour toi.
C'est moi qui ai résolu l'énigme. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas m'en parler des années ? Bon, on commence par où, à ton avis ? Je sais pas. Où est-ce qu'elle aurait pu planquer le journal intime de quelqu'un d'autre ?